Nous sommes donc dans l'île de la Cité pour ce cours. Vous voyez Notre-Dame derrière moi, nous sommes sur le parvis. L'île de la Cité était un lieu très important pour l'occupation gallo-romaine, l'occupation romaine des Gaules, car il y avait une administration ici, un palais. Et lorsque Clovis est devenu roi et a décidé de faire Paris, de faire de Paris sa capitale, il n'a pas trouvé mieux que d'emménager dans ce qui avait été le palais des Romains. Il y a beaucoup de vestiges qui se trouvent sous mes pieds, littéralement, surtout des vestiges gallo-romains, mais également du Moyen-Âge, et même jusqu'au 18e, 19e siècle. Lorsque, en 1962, on a commencé à creuser un parking ici, sous le parvis de Notre-Dame, Malraux était ministre de la Culture et il a pu sauver une bonne partie de ces vestiges que vous pouvez visiter maintenant dans cette crypte archéologique. Venez voir, ça vaut le voyage.